Cela fait 2 ans maintenant que le monde s'est arrêté. Ceci n'est pas un film sur l'Afrique. C'est sur l'espace entre chaque étape du chemin. La distance entre chacun de nous et les prises manquantes d'un film. J'ai traversé la majeure partie du Kenya le long des voies ferrées du Lunatic Express. Un nom inventé par Charles Miller pour nous rappeler l'idée folle de construire un train à travers la savane, les jungles denses et les ponts en bois. Plus de 2000 travailleurs indiens sont morts lors de la construction de la voie. À chaque arrêt du train, nous avons rencontré des personnes dont la vie ont été dramatiquement modifiées au cours des 2 dernières années. Le coût de la douleur en Afrique. Le fléau des virus de l'immunodéficience humaine. Les centaines de meurtres systémiques de guérillas âgées. Les vies impactées par la pandémie. Et d'autres voix d'un fragment oublié de ce monde. Chaque personne rencontrée sur notre chemin a construit un panneau de 1 mètre sur 1 mètre fait de chutes de bois. Nous avons emmené ces panneaux à travers le pays, à pied, voiture ou train sur de longues distances. Avec chaque personne que nous avons rencontrée, nous avons élaboré un plan. Celui de rassembler tous les panneaux de bois en un immense billboard affichant un message pour le monde entier.